J'aime le yoga! Bonjour les yogis, bienvenue dans cette deuxième vidéo, une petite séance de 15 minutes pour les enfants et pour les parents aussi, si vous avez envie de faire le yoga avec vos enfants, pourquoi pas? C'est bon pour tout le monde, non, un cours de yoga, c'est bon pour les enfants, un peu plus ludique, mais c'est très bon pour les parents aussi, en tout cas pour se détendre, pour se calmer un peu et de bouger le corps. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on va aller à la plage, comme nous sommes tous confinés chez nous. Ça va faire du bien d'imaginer en tout cas de voyager. Mais pour ça, pour l'instant, on va chauffer le corps. Donc vous allez mettre les deux mains sur le côté. Et après, bougez le pied, donc vous bougez les chevilles. Vous bougez d'avant les chevilles, vous gardez les orteils par terre. Bougez dans les deux sens, donc on va chauffer bien la cheville parce qu'on va utiliser après évidemment pour faire les postures. Déposez le pied et faites l'autre pied. Il faut évidemment chauffer les deux, on fait toujours les deux côtés. Donc bougez dans l'autre sens, juste le pied. Bien, et puis maintenant on va chauffer les genoux. Donc vous gardez toujours les deux mains sur le côté et on va plier un peu les genoux et revenez. On va ajouter aussi la respiration, faites une grande inspiration. Et sur expiration, pliez les genoux, revenez sur l'inspire. Et continuez encore un peu, c'est vraiment pas très difficile, ça fait même pas mal encore. Mais on chauffe déjà un peu les genoux et une dernière fois. Très bien. Et maintenant, vous allez bouger le corps. On va imaginer que nous sommes des arbres. Levez les deux bras et bougez tout le corps sur tout le bassin. Il fait un peu du vent, donc ça bouge l'arbre. Mais les pieds, cette fois, ne bougent pas comme un arbre. L'arbre non plus ne bouge pas. Il est bien ancré, bien enraciné dans la terre. Comme tout à l'heure, j'ai parlé que nous allons aller à la plage, vous pouvez imaginer que vous êtes une palmier. Et maintenant, il fait vraiment du vent dans tous les sens. Bougez, bougez, tournez le bassin. Faites des cercles avec le bassin et avec les bras. Ok, le vent se calme. Continuez encore. Puis, il fait grand soleil. Et descendez les deux bras. Nous allons encore faire deux respirations. Levez les bras, inspirez. Et expirez, descendez les bras. Et encore une dernière fois. Comme un grand soleil, vous dessinez une grande cercle avec les bras, avec les mains. Puis ouvrez un petit peu les pieds, à peu près largeur du bassin. Et maintenant, on va chauffer les mains et les poignets. Vous croisez les doigts et bougez, bougez, bougez les poignets. Oui, très bien. Et vous allez bouger dans l'autre sens. C'est pas évident. Il y a toujours un sens qui est très naturel, mais bouger dans l'autre sens, comme ça, les doigts croisés, c'est pas évident du tout. Et maintenant, on secoue, on bouge les doigts aussi. Voilà. Et il reste encore une dernière chose, c'est la tête. Remettez les deux mains sur les côtés et faites des petites cercles avec la tête, les deux sens. Tournez lentement. Deux fois à droite et deux fois à gauche. Parfait. Oh, est-ce que vous êtes prête qu'on parte en voyage? Ok. Bon, pour cela, comme on va aller quelque part où il fait grand soleil, il va falloir remettre de la crème, ou mettre de la crème déjà. Donc, vous allez prendre votre crème solaire et on va s'asseoir parce que c'est plus facile de mettre de la crème assise. Mettez un peu de crème et étalez-le très bien comme ça. Et maintenant, vous allez mettre la crème sur les bras et sur l'autre bras aussi. Il faut en mettre beaucoup parce qu'on ne veut pas se bronzer beaucoup, beaucoup. Hein. On ne veut pas devenir très rouge. Hein. Vous mettez encore sur le ventre aussi. Et puis après sur les épaules. Ah, c'est difficile, essayez de toucher le dos
derrière les épaules. Et après, peut-être comme ça. Voilà. Vous pouvez essayer de mettre de la crème sur le dos. Voilà, très bien. On va remettre un peu de crème encore. Attrapez votre crème solaire. On met, hop. Étalez bien et mettez sur les jambes. Bien sûr, il faut en mettre partout. Sur l'autre jambe aussi. Voilà, c'est bon. Mais nous avons encore un endroit où on n'a pas du tout mis de la crème. Pourtant, c'est une des plus importantes. Ah, c'est le visage. Mettez la crème encore, étalez-le bien. Et on va mettre sur le front, sur le bout du nez, sur le visage, le joue et la nuque, là, le cou, partout, la nuque derrière. Oh, ah, ça m'a fait du bien. Bon, ok, donc on part à la plage. Mettez-vous debout. Comment on fait? On se met dans la posture de la grenouille. Vous allez sauter une fois. Mettez les deux mains sur les genoux et poussez le fesse. Poussez vers le plafond et puis redressez-vous. Et nous sommes debout. Bon, maintenant on va imaginer qu'il ne fait pas du vent et les palmiers restent vraiment immobiles. Vous allez serrer les deux pieds. Croisez les pouces. Donc vous mettez les deux mains devant vous et vous croisez les pouces. Et vous levez les deux bras vers le ciel. C'est la posture du palmier dans le yoga. Maintenant, descendez les épaules. Les épaules ne sont pas serrées aux oreilles. Vous descendez bien les épaules. Et gardez les bras tendus. Vous sentez sans doute que vous serrez le ventre. C'est très bien. Et encore deux grandes respirations dans cette posture du palmier. Parce qu'il faut être un peu à l'ombre aussi quand on est à la plage, il fait grand soleil. C'est bien de rester à l'ombre sous un palmier. Et descendez les deux bras. Ah, mais je vois que la vague est sortie. Une petite étoile de la mer sur la sable. On peut ouvrir en grand les deux pieds. On fait l'étoile de la mer debout. Donc, ouvrez les deux pieds en grand. Et sortez les deux bras aussi. Vous tendez les deux bras sur le côté. Et on reste un peu ici, dans cette position. Puis vous allez faire une grande inspiration. Et vous descendez sur l'expiration sur un côté. Vous touchez votre pied. Et revenez sur une inspiration. Et l'autre côté. Descendez, touchez avec la main le pied. Revenez toujours sur une inspiration, continuez sur expire et vous pouvez tourner la tête vers le ciel. C'est encore mieux. D'ailleurs, c'est la posture de triangle, ce qu'on peut très bien utiliser pour l'étoile de la mer. Maintenant, on va faire la même chose à peu près, mais vous allez toucher avec la main de l'autre pied. Donc, vous tournez le buste et vous touchez l'autre pied et revenez. Donc, à travers. Et encore deux fois. Une fois à chaque côté. Descendez, expirez. Gardez les jambes très tendues. Et revenez sur une inspiration. Et lâchez les deux bras. Et venez vous asseoir. Nous allons imaginer que nous sommes assises au bord de la mer. C'est magnifique, le paysage juste devant nous. Nous sommes dans le sable, bien installés. Ah, mais il y a des petits animaux qui se baladent à côté de nous. Je vois des petites crabes. On va tout de suite faire la posture de crabe. Mettez les deux pieds devant vous, pliez les genoux et les deux mains derrière les fessiers. Et sur une inspiration, vous allez lever le bassin vers le ciel. Et descendez sur une expiration. Et encore, continuez, levez le bassin. Et descendez. Attention, la tête, vous ne lâchez pas la tête derrière, vous gardez toujours vers le ciel. Oh, et bougez un peu les mains, ça fait peut-être un peu faire. Bougez les poignets. Et déposez à nouveau les deux mains derrière vous.
Et on va rester dans cette position pendant 10 secondes. On va essayer de serrer les fesses et le ventre et d'être très très fort pour pouvoir rester dans cette position. Allez, c'est parti. Vous levez le bassin, faites une grande inspiration et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, et vous pouvez descendre le bassin, bouger à nouveau les poignets. C'était bien, bravo. Très très bien, je félicite à tout le monde. Vous avez bien réussi à rester dans cette position pour faire le petit crabe. Mais je vois d'autres animaux aussi qui se baladent juste derrière les crabes. Il y a des petites tortues. Allez, on va faire tout de suite la posture de la tortue. Vous gardez les deux pieds devant vous. Vous pliez les genoux. Vous tendez les deux bras. Vous joignez les mains. Vous descendez les deux mains devant vous. Et vous attrapez les pieds de l'extérieur. Et après, vous relâchez la tête. Continuez vraiment d'essayer de relâcher la tête à chaque expiration. Donc, vous arrondissez bien votre dos. Vous lâchez la tête, vous attrapez les pieds. Ça fait du bien, ça étire dans le dos, ça fait du bien pour la nuque, pour relâcher complètement. Vous faites encore une grande respiration. Et puis revenez, redressez-vous doucement. Ah, mais est-ce que vous avez envie qu'on prenne un bateau et qu'on parte en balade sur l'océan? Ah oui, ça serait sympa, je pense aussi. On va faire alors la posture du bateau. Vous allez joindre les pieds et les genoux aussi. Et vous reculez les pieds plus proche que possible, juste devant vous. Et tendez les deux bras devant, descendez les épaules. Et sur une grande inspiration, on va lever les pieds ensemble les deux. Hop! Et descendez. Et encore, levez les deux pieds. Attention, ne roulez pas derrière. Gardez cet équilibre. Et vous pouvez relâcher. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait tout à l'heure aussi avec le crabe, qu'on va rester dans cette posture pendant 10 secondes. Ça va être très très bien, vous allez voir. Il faut serrer bien le ventre, d'accord? Vous allez être très très fort, je suis sûre. Allez, reculez les pieds, tendez les deux bras. Et c'est parti, levez les deux pieds. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et descendez. Ouh, très bien. Bravo, ça fait du bien. Vous pouvez joindre les deux pieds, attraper les chevilles pour faire un petit papillon qui juste balade autour de nous, qui vole aussi. Gardez le dos droit. Faites des grandes inspirations. Et relâchez les jambes, les genoux, laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Et puis, vous pouvez fermer les genoux. Et maintenant que nous sommes au milieu de l'océan, ben, on va plonger aussi dans la mer pour nager un peu. Donc, vous gardez toujours les deux pieds, les deux genoux devant vous. Attrapez bien les genoux et vous allez vous rouler en arrière. Hoppa! Et revenez, attrapez bien les genoux, c'est comme ça que vous pouvez revenir tout de suite. Et encore. Et encore. Amusez-vous de faire des galipettes. Mais pas complètement, mais de rouler en arrière. Vous pouvez faire encore un peu. Et puis, quand vous êtes en bas, vous restez allongé. Allongé dans le Shavasana, dans la posture de détente. Gardez les deux. Jambes relâchées et les deux bras aussi, les mains le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez un peu les yeux. Et maintenant, vous allez imaginer, vous restez allongé, vous allez imaginer que vous êtes au bord de la mer. Il fait beau, il fait grand soleil. Le ciel est bleu, le soleil caresse votre visage. Vous entendez le vague de l'océan. Et ça fait du bien.
Ça fait du bien juste de rester allongé et de ne rien faire. Au bord de la mer, sous les palmiers, dans le sable chaud. Et si vous voulez, vous pouvez encore rester le temps que vous aviez envie. Moi, je vous remercie. Namasté.